What's up les chummies? Bienvenue au final vlog du FEC 2022, man. Fait qu'on vient juste de revenir du show, on a eu a real good time, si on va jaser de ça. Mais on a fait les choses différemment ce soir. On est allé sur la petite scène voir Fouki et Corias à la place d'aller voir le show sur la grosse scène. La grosse scène, excusez. Fait que c'est ça, Half Moon Run à soir, on en écoute pas, on sait pas c'est quoi, fait qu'on s'en calissait un peu. Fait qu'on est allé voir Fouki, Corias, pis la gang à soir, pis on a eu un esti de bon show, on va jaser de ça. Avant de ça, je vous donne du footage, fait que enjoy le footage, ben des shows là, si. Fait qu'on se reparle tantôt pour une review, esti, let's go! Dernier show! On veut sentir la basse qui nous déforme le torse, un peu comme celle-là. Il faut faire le minimum si tu veux espérer qu'on te fasse jouer à Coachella. Allez frère, on fait pas cette gueule, on roule tout. Oh,
tout va suivre la soirée. Je l'assiste avec toi, merci. Let's go. De montrer mon visage, le fait couramment. Je prends soin de ma santé mentale, mais guess what? Québec! J'ai mis un cœur sur le racket, les yeux sur le prize. Mon temps dans une vente de garage, si tu veux, je te le rachète. Je crois que les fantômes comme Batman, Birth of a Madman, Love Supreme. Pissé sur l'influenceur, les caps comme mal vieilli dans le rap, yeah. Abject, cache le calme ici sous la casquette. Madman, de beau cash feeling parce qu'on stack red. Même after death, y'a pas de cash liquide dans le cas. J'ai le mot banque, collé dans la face. Comment décoller quand t'es poigné dans la crasse? Top tout pour le cash, on est sur le dash. Bitch, free the fuck, que j'ai marché dans mon propre chemin. Où les tuer le fuck, another chain set. Yeah, bande de cap, qui rend du brain dead. On parie dans ma vieille chaîne. J'essaie de me boire à terre à coups de fête. Je suis le reste à l'faire. Je trouve la taille. J'étais dans une autre vie, dans un autre monde. Dans une autre ville, un autre lit avec une autre blonde. J'étais entassé dans un trou, cassé comme un clou avec un peine de vie et de break. J'étais quelque part après me saouler that night. Tout le monde! J'étais en dessous des black lights. Quoi? Après me saouler that night. J'étais posté là-bas avec du monde qui pense la coke c'est glamour. Avec ma coach, la gueule trop swag, je follow la coste. Classé comme un plug, il y a bros et un beau coraton. Work, c'est dur de monter la pente, yeah. J'suis mini man si j'fais un battle rap. Jamais jamais j'pourrais run win. Jamais jamais j'vais m'en sortir. Mais quand tu mets quelque chose dans le coffret. Jamais. J'ai pas fait, plus fort. Yeah, we're not around the bottom, not all the way. Working all night, fighting all day. Chewing
Bye.
italienne. La recette est vraiment maman. Sous tes mains, j'ai comme sans potion. Elle m'appelle sur mon iPhone. On vit sur la même. On remet pas dans la notion. Sous tes mains, j'ai comme sans potion. La gueule vide, oui, qui pique dans un bal. Moi je vais monter avec pas d'amertume. C'est what? Spitting flames all day, fais monter mercure. Rolling avec un Wolfgang, this one a full moon. Sors de R en crew sur les 12 coups. Bambou. La douceur de Vendou. Les groupies en légion qui se font tatouer dans le cou. Les rappers has been qui essayent encore les dark crew. Qui veulent devant leur tête, devant les gars et dans le jour. Deux, trois, deux, mon écran illégal. Quoi donc? Quand je fais toujours les conditions idéales. Quoi donc? Quand ça n'est plus que je veux aller. Clon, je ne laisse même pas la parole, qu'est-ce qu'il mange le fond? Maintenant j'suis riche. J'ai pensé à l'école en vie, j'ai même pas réfléchi. Tu vois le 7ème ciel, trop bon pour la vie. Une fois j'fais un truc comme une rameau. On est béni. Moi et puis on fait les matons. On est béni. J'suis une tonne d'un sort de bain. On est béni. Lève ton make-up. I don't wanna see you later. Faut célébrer là. Je repense à tous mes haters. Radio Canada. Au bon sens, je me laisse les voir. La chenille du papillon. Je t'en ramène, j'avais pas le talent. Le caménage, tout est parfait. Pour ne plus jamais redescendre, je suis ici dans une baisse. Oh. On se la fait ou quoi? À penser qu'on était en Zaïbi. Je pense que j'avais bien compris. Oh non, she used to be my copilote. On a roulé 540 direction Pompineuf. 140, je me pognais, tu gagnes de vie, t'es simple, mon boy. Rolling in the deep, commande à un moment donné, ça roulait plus. J'avoue que j'avais un peu plus. J'suis rendu avec mon permis d'âge, j'ai mis ce point d'inaptitude. Falling, oui, falling down. Comme les frères de Don Point, c'était pas la bonne. Fait que là, je m'envoie justement au GPS pour ma. Si je pouvais, je l'aime en tout cas. Road trip on the ocean, with the organ. Nous deux, on t'appelle la plus haute montagne. Quand je suis rêve, tu reviens. Zay Scott, mesdames et messieurs. Gardez-nous. Coquin. La chante Prédat, 365 jours par année, voilà. On est gagné. On est gagné. C'est trop cute. Est-ce que vous en voulez une autre petite au cas où, genre? Ah, si, ouais. J'y connais trop bien. Oh, 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 oh. Chaque jour des corps. C'est le dilemme. Si, non, pas ça. Le bonheur pour ton brûlant. Tout est chez nous, c'est brûlant. Le bonheur du cœur. Et par ce que.
capitaine. Merci, capitaine. Merci, la capitaine. Merci, capitaine. Ben, mes chumés, c'était le dernier footage du dernier show du FEC. Ben, un des derniers shows du FEC. Parce que malheureusement, nous autres, on n'est pas allé voir Half Moon Run à soir. On est allé voir Fouki, Coria, Saramé et compagnie. Asti que c'était le fun, j'ai bien aimé ça. Ouais, man, on a vu beaucoup de shows. On a vu 6 shows au total. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait qu'on va tous y aller un par un. Puis on va checker ça ensemble, mes chumés. Le show a commencé avec Fred's. Malheureusement, Fred, je suis arrivé à peu près au milieu de sa performance, mais de ce que j'ai vu, j'étais quand même impressionné, man. Je trouve que c'est un petit jeune qui a du talent, il a définitivement une bonne voix, puis j'ai hâte de voir où c'est que ça s'en va, son affaire, honnêtement. C'était comme si tu voyais genre un chum du secondaire sur le stage qui made it, là. Tu sais, c'était cool à voir. Je trouvais que sa vibe était bonne, là, tu comprends. Après ça, c'est Marigold qui est embarqué. Marigold, honnêtement, je la trouvais juste drôle, là. La meilleure façon que je peux le décrire, là, ok, c'est comme si t'étais en classe, là, au secondaire, là, pis là, genre, ta prof de secondaire 3 se mettait à fucking rapper pis à fumer des joints sur du gros trap beat, là, c'est la meilleure façon que je peux décrire ça, ok. Je sais pas pourquoi, c'est cette image-là qui pop dans ma tête depuis que j'ai vu le show de Marigold, ok, mais c'est ça, ok. Mais honnêtement, c'était comique, là. C'était drôle, j'ai quand même aimé ça, c'était drôle, là. Après Marigold, on a Vandou qui est arrivé, man, l'acolyte de Fouki. Vandou, j'ai bien aimé sa voix, j'ai bien aimé son style un petit peu plus stoner. Mais je dirais qu'à partir de ce moment-là, c'était un petit peu plus le maillon faible. Dans le sens qu'il était pas mauvais, mais il avait clairement... Il manquait peut-être un petit peu d'expérience avec la crowd, je trouvais. Là. Genre, par exemple, à la fin, il a demandé au monde de lever leur téléphone, puis il y a genre... 7 personnes qui ont levé leur sel, c'était un petit peu triste, mais en même temps, c'est pas grave, là. Je vais vous expliquer pourquoi, man. Parce que quand Fouki est embarqué, ils ont joué Spaghetti Pain à l'ail, puis man, le Redemption Arc à Vandou, il était fini, là. That's it, là. C'est-tu que c'était fire. Fait qu'après Vandou, man, c'est Saramé qui est embarqué, puis ooh, goddamn, Saramé, man. Let's fucking go. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire sur la performance de Saramé, autre que... C'était excellent. Elle était excellente. Une esti de bonne présence de stage avec ses deux filles qui dansaient en avant, man. Il y avait tellement une bonne énergie, il y avait tellement une bonne vibe sur le stage. Je trouvais ça écœurant, vraiment. Elle a une crise de bonne tonalité dans sa voix, là, puis dans les lyrics, puis ce qu'elle chante, là. Tu vois que ça vient, là, du fond du cœur, mon ami, là. Puis honnêtement, j'ai juste des praises à donner à Saramé, sauf une petite affaire. Je trouvais que quand elle parlait dans le mic, on comprenait pas vraiment ce qu'elle disait. Comme par exemple, à un moment donné, il y a comme eu un moment de silence au milieu du show, puis j'ai pas compris que c'était pourquoi. Fait que s'il y a quelqu'un qui le sait, là, laissez-moi le savoir dans les comments, parce que j'ai pas réussi à comprendre c'est quoi qu'elle a dit dans le micro. Fait que peut-être que c'était le son du micro qui était pas assez fort, là, mais ça, à part le son, on s'en calisse, là. C'était une esti de bonne performance de Saramé, man. C'était excellent. Après Saramé, c'est mon boy Corey Hard qui est embarqué, man. Corey, man... Il a de l'expérience, c'est un rapper expérimenté, il sait comment ça marche une scène, puis hier, ça se démontrait encore une fois. Corias, man, ça fait une couple de fois que je vais le voir en live, puis il sait comment ça marche, man. Il sait comment faire le party, puis comment crisser, comment faire bouger la crowd, là, tu comprends? Puis hier, même s'il jouait beaucoup de tunes de son nouvel album, qui est extrêmement underrated, je trouve aussi, vous devriez carrément aller checker son nouvel album, même s'il jouait des tunes de son nouvel album, tout le monde chantait les lyrics, tout le monde connaissait tout, puis Christy Van, il était fort, encore une fois, man, Corias, fucking awesome, man. Après Corias, on a mon boy Fouki qui est embarqué sur la scène, puis oh, les étoiles se sont alignées. Fouki, il est juste fucking awesome, man, il n'y a pas un esti de rapper sur la planète Terre qui peut juste rapper à propos de spaghetti, de crêpes sirop d'érable, pis de calice de niaiserie aussi, pis que ce soit autant fire, là, tu comprends? Il est tellement versatile, man. Il sonne bien sur un beat, n'importe quel type de beat, que ce soit un beat reggae, que ce soit un beat trap, que ce soit un beat old school boom bap, esti, il fit sur toute sa voix, est fucking cool. Pis, il y a un feature crissement hot, man, qui est vraiment underrated, là. Il est capable de bien sonner avec du auto-tune, man. Wouh!
Like, yes, man, Fouki, c'était fucking cool. Il était drôle sur le stage, il était charismatique, il calissait des petites saucisses cocktails dans la foule, esti. Number one pour Fouki, man. J'ai crissement aimé sa performance. Man, on a eu un esti de bon show, puis on a eu calissement des invités aussi, esti, similaires avec le show de Loud de v'là quelques jours. On a eu une belle surprise de Soulja pendant la performance de Saramé et de Fouki. Fouki, excusez, Corias. On a eu Clay and Friends qui est embarqué sur le set à Fouki. On a Jay Scott aussi qui a fait quelques apparences sur le set à Corias pour chanter Mathusalem et Fouki pour chanter Copilote. Puis ouais, man, des bonnes surprises all around. C'était fucking cool de voir, tu sais. Puis les artistes aussi qui revenaient sur scène. Sur scène, excusez. C'est comme Vandou qui revient sur le set à Fouki pour chanter Spaghetti Pain à l'air que j'ai mentionné tantôt. Corias est revenu, bien sûr, pour chanter On est béni. Puis une couple d'autres tunes avec Fouki. Fouki qui est embarqué un peu trop tôt sur le stage à Corias, ça se dit. Chanter lait de chèvre. Puis ouais, man, honnêtement, il y en a tellement que ça se peut que j'en aille oublier une couple. Si t'as une préférence que j'ai oublié, là, laisse-moi le savoir dans les comments. Là. Puis that's it, man. Un crise de bon show overall, une crise de bonne surprise. Par exemple, pendant le set à Fouki, une mini critique, là, parce que honnêtement, c'était drôle, puis on avait du fun, là. Fouki, il faisait peut-être un petit peu trop son affaire de 15 jours, là. Genre, il fait chanter le monde, là, lui, il chante. Il fait chanter le monde, lui, il chante, tu sais. C'est « Eh oh, eh oh, eh ». Il l'a fait genre 5 fois, mais voyable, ouais, c'était nice, là, on s'en calisse. Fait que that's it, man. Overall, on a eu un Chris de bon show, esti. 6 bons sets, man. Freds, Vandou, Marigold, Saramé, Corias, Fouki, man. Un bon gros package deal. Je vais donner le final verdict live up, mon ami. Je donne pour le show d'hier un beau gros 9 sur 10. Yes, sir! J'y vais avec ça. Dis-moi ce que t'en penses dans les comments. Pis that's it, man. Hey, j'ai un petit mot de la fin à vous dire si. N'allez-vous pas tout de suite, là. Un petit mot de la fin, OK? Fait que ouais, man, je veux juste commencer par remercier tout le monde qui ont checké les vlogs cette année. Genre, il y en a qui ont des centaines, même quelques mille vues, esti. Chris, je m'attendais pas à ce que ça pogne autant, tabarnak. Moi, je faisais ça pour aucune esti de raison. Je faisais ça juste pour me remémorer, genre, les shows quand j'allais les réécouter plus tard, mais. Finalement, man, il y a du monde qui ont laissé des comments, il y a du monde qui ont laissé des likes, il y a du monde qui ont écouté les vidéos, pis c'est chill, man. Merci d'avoir écouté ça, tous ceux qui ont écouté, là. Let's go, man. Fait que c'est ça, man. J'ai déjà hâte au fait pour l'année prochaine. C'est sûr que je vais probablement refaire ça. J'ai bien aimé ça. C'était cool, là, d'éditer les vlogs, pis de réécouter les shows, pis de, tu sais, être un petit peu plus critique, tu sais, de critiquer des fois, pis de, tu sais, donner une rate sur 10, là. Il y en a qui ont été peut-être un petit peu fâchés dans les comments, là. Hey, on se calme, mais si je suis désolé, là, c'est le show de Marshmello, c'était pas tant le fun, là, Chris. Mais c'est ça, man. Overall, merci à tout le monde qui ont écouté ça, pis qu'ils ont laissé des bons comments dans les comments, pis that's it, man. Pis j'ai déjà hâte au fait que l'année prochaine, si y a de quoi que je changerais cette année, moi, personnellement, ça va être ma mission cette année de mieux m'éduquer sur le rap keb. Parce que j'ai eu quelques commentaires constructifs sur mon vidéo de la review de Loud. Puis, c'est ma mission cette année, man, de m'engrainer dans la culture du rap keb. Puis l'année prochaine, je vais mieux m'y connaître. Puis je vais être plus prêt pour peu importe ce que les organisateurs du FEC vont décider de nous amener l'année prochaine. Fait que merci à ceux qui ont lâché des comments. Puis que, OK. Il y en a qui étaient baveux un petit peu, là, mais. Mais pour vrai, merci de m'avoir fait un petit peu ouvert les yeux, là, tu sais. J'ai réalisé que j'étais casual en tabarnak, puis que, tu sais, je connaissais pas mon affaire, là. Fait que l'année prochaine, je vais mieux m'y connaître en rap keb, là, ça, je vous le dis. Si tu veux continuer à me suivre, si tu veux avoir des nouvelles, ça tente de venir chiller, puis ça tente de venir jaser de musique, suis-moi sur Twitch, man. Je fais des live streams sur Twitch à Willy le Saumon. Pis Chris, on vient jaser de musique, vient jaser de gaming, man, pis vient jaser de film. Je suis un gars qui aime la culture, moi, fait que. On se voit sur Twitch, man. Ceux qui sont intéressés, je vais laisser le link dans les comments. Pas dans les comments, mais dans la description, là. Pis ouais, man, that's it. Merci à ceux qui me suivent. Mais ouais, man, j'aurais un dernier message, esti. Pis celle-là, c'est pour les organisateurs du FEC. L'année prochaine, là, messieurs, mesdames, là. Donnez-nous Coldplay, man. Donnez-nous Coldplay, s'il vous plaît. C'est le seul souhait que j'ai. Ils sont en tournée live. Ils viennent juste de dropper un album.
Amenez-nous Coldplay, ils sont jamais venus à Québec, Chris, puis je comprends pas pourquoi tout le monde à Québec tripe sur Coldplay. Amenez-nous Coldplay, ok? Amenez-nous Coldplay. Je dis tout de suite, là. Amenez-nous Coldplay tout de suite, là. Sinon, je vais être fâché, là. Ok, amenez-nous Coldplay, ok? L'année prochaine. Coldplay. Merci.